c'est le joyau de la Côte d'Emeraude. Saint-Malo et ses fortifications invitent au voyage dès le premier coup d'œil. Comment ne pas s'imaginer dès l'instant où l'on y pose les pieds, en pirate ou en corsaire, faisant escale dans cet incroyable port breton. Mais avant d'aller trinquer avec un verre de rhum, allez faire un tour du côté de Saint-Servant. C'est l'un de ses quartiers les plus charmants avec sa corniche et la tour Solidor, ancienne prison désormais transformée en musée dédié à la découverte du Cap Horn. De l'autre côté, à l'est de Saint-Malo, c'est un rêve d'architecte qui se matérialise. La cité balnéaire de Paramé offre en effet une succession de villas aux architectures audacieuses s'étendant le long de la plage. Une promenade de 3 km depuis la pointe de Rochebonne est ensuite nécessaire pour rejoindre la cité malouine. Mais quelle promenade! Il faut ensuite attendre la marée basse pour pouvoir visiter le fort national. Construit par Vauban sur une calotte rocheuse, il était destiné à protéger Saint-Malo des attaques de l'ennemi anglais ou hollandais. Vient alors le clou du spectacle. De toutes les portes de Saint-Malo, celle de Saint-Vincent est sans conteste la plus majestueuse. Et si l'on fait quelques pas, c'est sur la cathédrale dédiée au même martyr espagnol que l'on tombe. Si pratiquement aucune des maisons restantes n'est d'origine, suite au bombardement de 39-45, l'une des dernières bâtisses intactes abrite aujourd'hui la boutique d'un amoureux du beurre et du fromage, celle de Jean-Yves Bordier. Jean-Yves Bordier a repris ce magasin en 1985, il était lui-même fromager et en fait il est tombé en amour avec la matière beurre, une matière très soyeuse. Il a eu l'idée de parfumer ses beurres avec différents parfums comme les algues de Bretagne bien sûr et le sel fumé, le piment d'Espelette et plein d'autres choses avec lesquelles il s'est amusé. Le lait qui est utilisé pour notre beurre est un lait local puisqu'il vient d'un triangle entre Rennes, Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Toutes nos plaquettes de beurre sont tapées à la main avec deux palettes en bois, tout simplement. C'est une technique qui date du 19e siècle. Ça permet d'assouplir la texture, de la rendre très soyeuse, très fondante, et de développer le goût, surtout. Les légendes de Saint-Malo vous attendent ensuite tout le long des remparts. La statue du célèbre corsaire Robert Surcouf et celle de Jacques Cartier trône fièrement en haut de cette promenade de 2 heures. Impossible de se lasser de ces panoramas sur la côte d'Emeraude. Impossible également de rater les îles du Grand et du Petit Bé. La première abrite le tombeau de Chateaubriand et mène à la seconde qui possède un remarquable fort datant de la fin du XVIIe siècle. Si elle n'est accessible à pied que par marée basse, elle peut également se découvrir à marée haute, en bateau, planche à voile ou bien autre. Saint-Malo, c'est un cadre exceptionnel parce qu'on a déjà des îles toutes près de la côte, le Grand Bé, le Petit Bé. La côte est assez variée avec pas mal de cailloux, de passes à cailloux à faire. On a vraiment tous les aspects du kayak de mer qui sont très très faciles à aborder ici. C'est très familial, on accentue le côté convivial de la chose en fait. On a des bateaux qui sont adaptés, qui permettent de mettre des jeunes enfants avec des adultes. On termine la promenade le long des fortifications malouines par le château. Construit à partir du XVe siècle, il abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. Mais l'agitation de la ville intramuros n'a finalement d'égal que celle de la mer à marée haute. Michelin, une meilleure façon d'avancer.